Wesh, bien ou quoi? Tranquille ou quoi? Ouais, tranquille. J'espère que vous allez tous très très bien. En tout cas, moi, ça va. Merci de demander. C'est la fin officielle des Jeux Paralympiques. Un grand bravo à tous les athlètes. Vous avez été extraordinaires. Tous ceux qui ont participé. Je vous ai vu réussir des choses que je pensais même pas possibles. J'ai vu des athlètes qui n'avaient pas de jambes courir, sauter, nager mieux que moi. Vous vous rendez compte? Il y a des gens qui n'ont pas d'attributs, mais qui les utilisent mieux que ceux qui ont les attributs. Là, c'est le début des Jeux Paralympiques politiques. Et eux, c'est que notre argent qu'ils utilisent mieux que nous. Pourtant, on a fait barrage. Je comprends pas, on a les pieds dans la merde. Pendant que nous, on était en train de construire le barrage, Macron, il est passé en hélicoptère. Pourtant, on avait choisi la ceinture qui est placée à gauche, celle qui allait fouetter les riches. Hein? Tu te rends compte? Macron, il est arrivé, il a dit, c'est quoi cette ceinture? Prenez celle qui est à droite, celle qui va fouetter les pauvres. Là, on a Joe Biden qui vient d'être élu Premier ministre, l'Américain. Il y en a qui vont me dire, mais qu'est-ce que tu racontes, Faudier? C'est Barnier, c'est pas Biden. Tant que je l'aurais pas vu monter et descendre des escaliers sans tomber, pour moi c'est Biden. 73 ans. On pensait qu'il allait pisser, hein, Gabriel Attal. On a tous pensé qu'il allait pisser parce qu'il est trop jeune. Là, on est parti chercher quelqu'un qui fait littéralement pipi au lit, hein. 73 ans. Il va devoir écouter Macron qui a 46 ans, qui a l'âge d'être son fils. Tu te rends compte? Et Brigitte qui a l'âge d'être sa femme. C'est un truc de malade, hein. Peut-être que Barnier et Brigitte, quand ils seront en train de discuter à l'Élysée, ils vont dire, eh oh, Macron, va jouer dans le jardin, là, dégage.